Grenoble 9e accueille Auxerre 13e. Les Grenoblois sont sauvés. Un promu qui a donc réussi sa saison alors qu'Auxerre a besoin de s'imposer pour essayer d'y voir plus clair et d'être hors de danger lors de la dernière journée. Auxerre qui n'a pris qu'un point sur les trois derniers matchs et qui n'a remporté qu'une seule de ses 11 dernières rencontres. Les Bourguignons se font peur. La première occasion est grenobloise, mais 0-0 à la mi-temps. En seconde période, Grenoble va essayer d'insister pour essayer de gagner son dernier match de la saison à domicile. Mais ça passe encore une fois à côté. Les Grenoblois manquent un peu d'inspiration, les Auxerrois également. Mais pourquoi pas marquer ce but qui changerait tout pour la JA. Un bon tir de Romain Philippotto sauvé par Papa Demba Camara. Les meilleures opportunités sont tout de même grenobloises. Une de plus ici, la meilleure du match sur le poteau. Pas de réussite pour Malek Chergui. Son excellent pied gauche n'a pas réussi à faire la différence alors que Mathieu Michel était battu. Pas de réussite pour les joueurs de Philippe Hinsberger. Et personne ne réussit à marquer dans ce match. 0-0 entre Grenoble et Auxerre. Auxerre risque encore de terminer barragiste. Auxerre devra faire un résultat lors du dernier match.